témoignons ensemble les impacts de ainsi qu'à l'ambassade du Royaume du Maroc en République populaire de Chine pour leur appui constant et leur la première promotion qui profitera du programme de l'atelier vivant offert annuellement aux jeunes. Si je souhaiterais une grille de budget pour bénéficier de cette formation sur de la formation suivie aussi. Monsieur Wang Qingkai, membre du comité permanent de Tianjin et secrétaire du comité municipal des affaires éducatives. Monsieur Ba Haili, directeur adjoint. Les jeunes marocains. Nous avons donné aujourd'hui le coup d'envoi à l'atelier Luban, réalisé en partenariat avec le Tianjin College of Commerce, pour la mise en place d'une nouvelle formation d'excellence dans le domaine du commerce électronique transfrontalier. Et ce, bien sûr, en accompagnement à l'essor du commerce en ligne, accéléré notamment par le biais de la pandémie de la Covid-19. Le partenariat a porté sur le développement d'un programme de formation approprié qui s'étalera sur une durée de 4 mois, en plus de l'aménagement d'espaces pédagogiques et l'apport d'équipements adaptés pour garantir une formation de grande qualité. La première promotion qui profitera dès cette année de ce programme sera constitué de 120 jeunes de l'Istéahi Hassani et le programme sera bien entendu maintenu dans le temps pour profiter à de plus en plus de jeunes marocains. La Chine avec le Maroc entretiennent des relations de coopération tous azimuts. Bien sûr, la formation professionnelle est l'un des volets de coopération entre la Chine et le Maroc. L'atelier Luban, c'est une idée avancée par le président chinois Xi Jinping en 2018 à l'occasion du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. L'atelier Luban est dédié à la formation des jeunes dans le domaine de commerce électronique transfrontalier. Et je dirais que c'est un atelier qui favorise la recherche de l'emploi par des jeunes. Comme vous le savez, le Maroc dispose des infrastructures de télécommunication de qualité avec un marché très important, avec un marché potentiel pour le développement du commerce électronique. Donc la Chine, avec la création de l'atelier au Maroc, on voudrait bien donner un coup de main aux jeunes pour favoriser leur recherche de l'emploi. Ici, on est au premier jour de la formation de e-commerce. Je viens de m'inscrire après avoir passé le concours oral et écrit. J'apprécie bien tous les outils qu'on vous met en disposition aujourd'hui, comme les PC et les profs aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ce que cette formation peut nous donner de plus. On est réunis ici pour le démarrage d'une nouvelle formation qui est en collaboration entre le Maroc et la Chine. Il s'agit bien de l'e-commerce. Alors j'ai choisi cette filière vu qu'elle est très intéressante parce qu'on voit que le marché actuel est orienté vers tout ce qui est numérique et digital. Donc je puisserai Inch'Allah créer mon propre projet et le commercialiser dans le digital. Et je suis très contente de cette formation.